Le sud tunisien n'est pas avare de ces images bibliques, à tel point que l'on croirait ces paysages immuables, où quelques silhouettes typées feraient de la figuration pour en rehausser encore la couleur. Pour les savants, c'est une zone aride, c'est-à-dire une zone où il ne pleut pas. Ou du moins, pas souvent. 100 mm d'eau aujourd'hui. Mais ce sera peut-être la seule pluie de l'année que les Gessours conserveront au pied des oliviers plusieurs fois centenaires. À l'est, jusqu'aux confins de la Libye, c'est la Djefara, la plaine, où se sont longtemps affrontées les tribus nomades pour la conquête de leurs territoires pastoraux. À l'ouest, le Djebel, la chaîne des Matmata, où se réfugièrent les tribus autochtones, chassées de la plaine par les Arabes et qui devinrent sédentaires, vivant de petites transhumances et d'agriculture. Coincés entre le désert et la plaine interdite, il y a plus de 300 ans, les chefs de famille commencèrent à partir dans le nord de la Tunisie, en Algérie ou en France, pour gagner l'argent de la maison. Le vieil oncle Abab se souvient encore de la fraîcheur de son ancienne maison troglodyte. Je suis né ici et j'y habitais avec mon père et mon oncle. On était deux familles. Et cette grotte-là, c'est celle où je me suis marié il y a longtemps. Comment c'était à l'époque ? C'était bien, les maisons n'étaient pas en ruine comme ça. Il y avait un ensemble de grottes sur le même niveau. Elles étaient fraîches l'été, le parterre était propre. Il n'y avait ni ciment, ni carrelage, rien que la terre battue. Tout autour, il y avait les troupeaux de moutons et de chèvres qui pâturaient. Et devant, il y avait aussi beaucoup de chevaux et des dromadaires attachés ici dans les cours. Et des mules aussi. On vivait de l'agriculture et du troupeau. On ne mangeait que du blé, de l'orge et de l'huile, c'est tout. On cultivait surtout ici, dans les Gessours, et plus bas au pied des collines, dans la plaine. Quand il pleuvait suffisamment, on descendait dans la plaine, on labourait avec les dromadaires et on y semait des céréales. Quand nous sommes descendus, nous avons commencé à construire. On s'est un peu installé et les enfants allaient à l'école. À 7 ans, moi je suis parti avec mon père travailler à Maktar, dans le nord de la Tunisie, et j'y ai passé 40 ans à faire des beignets. Et après, il y avait de moins en moins de travail, alors je suis allé en Algérie 6 ans, et après je suis allé en France. Et alors vous faisiez 6 mois ici et 6 mois ailleurs ? Oui, mon père travaillait 6 mois, mon oncle le remplaçait, puis mon autre oncle le remplace, et puis les enfants, et ainsi de suite. Et ça tournait, on avait la baraka. On s'entendait bien, nous vivions ici tous ensemble, l'ambiance était très bien. Maintenant aussi on vit bien, mais ce n'est pas la même chose. Avant on vivait tous ensemble et on menait une belle vie. C'est vrai, avant c'était mieux, mais maintenant aussi c'est bien, c'est bien. Le progrès, les incitations de l'État aussi, on fait descendre la famille Abab dans le nouveau village de la plaine, aux villas modernes, avec eau, gaz et électricité. Nasser, lui, actuel patron de l'exploitation agricole, ne regarde pas en arrière vers la montagne. Il se tourne résolument vers l'est, au cœur de la plaine qui lui est maintenant ouverte. La Djefara, c'était le vaste pâturage collectif des bergers nomades, le théâtre des razzias, des invasions, des disettes, des guerres entre tribus pour l'herbe et pour l'eau. Les troupes coloniales, soucieuses de l'ordre, du contrôle, fixent alors les frontières, puis délimitent le territoire collectif de chaque tribu et procèdent enfin aux premières attributions individuelles. Alors les Ababs, comme beaucoup de montagnards qui se sont enrichis sou après sou à l'étranger, sont venus placer cet argent en plaine en achetant ces terres aux tribus nomades. Avec l'indépendance, la privatisation s'accélère et l'État tunisien équipe la Djefara de pistes, de villages, d'écoles et de forages pour l'eau, partout.
une pépinière d'oliviers près du point d'eau, une parcelle de terre bien à soi. Alors aujourd'hui, du plus nomade des bergers au plus sédentaire des agriculteurs, chacun vient planter sa terre en Djefara. Dès 1948, et grâce à l'argent que le père gagne comme pâtissier à Alger, à Tunis ou en France, les Hababs achètent en plaine leur première terre au Touédzine. Plantée en 62, elle porte depuis 20 ans 150 oliviers adultes. Plus récemment, en 1988, Nasser a acheté avec ses frères 100 hectares au cœur de la Djefara. Il y cultive des céréales et des petits pois, et chaque année, il plante 200 ou 300 oliviers de plus. Dans 15 ans, il aura 2000 arbres en pleine production. Plus de la moitié des terres sont maintenant privatisées. Et le visage de la Djefara change, définitivement. Mais le vent reste permanent dans cette zone sans obstacles et bien des discours s'alarment à voir les champs de dunes accompagner le front pionnier des plantations. Le Sahara avance, dit-on. Ce serait la faute aux bergers, aux planteurs, à la charrue. Il faut se méfier des idées toutes faites ou trop faciles. Nous, on était nomades. On se déplaçait beaucoup depuis l'Algérie jusqu'à Boussaïd. Ensuite, on s'est sédentarisé à partir des années 50. C'est en 56 exactement qu'on a construit. Depuis l'indépendance, on vit ici et de façon permanente. Avant, ce problème du désert n'existait pas. Quand on était transhumants, on passait ici avec les troupeaux et les tentes. Et quand il y avait une fête de circoncision et quand on avait besoin de sable pour l'enfant, on n'en trouvait même pas. Tu te rends compte? J'ai vécu moi-même ce temps-là. Mais alors, d'où il vient tout ce sable? D'après moi, ce sable est poussé par le vent depuis le Sahara de l'Algérie. Ça, c'est un désert naturel, hein? Non, pas du tout. Le phénomène de la désertification ne devrait aucunement être conçu comme une progression irrésistible des masses sableuses en provenance du Sahara. Car la désertification, en réalité, n'est qu'un phénomène localisé qui se déclenche en tout point où il y a rupture d'équilibre entre un milieu qui est très fragile et qui se dégrade très rapidement dès qu'il y a utilisation donc inappropriée, telle que le surpâturage ou également telle que la coupe et le défrichement. Conjugué à cela, le phénomène de sédentarisation des populations, l'appropriation des terres collectives et l'utilisation de plus en plus accélérée d'une mécanisation non adaptée, en l'occurrence la charrue pour les disques. Les risques sont réels. Pourtant, il y a peu ici. C'était un champ de dunes. Mais soigneusement protégé pendant 2 ans de la charrue et du mouton, ce sol vient d'être repris au désert et il sera à nouveau cultivé. Rien ne serait donc irrémédiable. Mais les solutions sont mal connues encore. Et alors, chacun voit midi à sa porte. Les forestiers veulent planter. Les écologistes veulent conserver. Les moutons veulent pâturer. Et les agriculteurs voudraient labourer. Et tout le monde devra composer avec cette évidence. On plante en Djefara parce que, pour un nouveau propriétaire, rien ne vaut une bonne plantation pour affirmer son droit. Je m'appelle Ali ibn Khalifa Malek. Je suis Zaou ben Ali ibn Ahmed Majdoub.
Je plante avec mes associés à Tegelmit. Moi, Mokhtar Ben Ahmed Malek. Je suis Salah Ben Ahmed Chantoul et on est associé dans cette terre qui comprend 2200 oliviers. On a commencé à planter l'année dernière. C'est une opération très chère et on s'est privé de tout. Et personne ne nous aide. C'en est donc bien fini de la grande plaine à troupeaux. Et tout le monde rêve d'une belle oliveraie, bien à soi. C'est l'hiver, et pour 3 ou 4 mois, Nasser se fait petit patron. Il est propriétaire d'une huilerie, toujours en indivision avec ses frères. C'est la pleine saison, il a travaillé tard, dans la nuit, mais dès l'aube, avec son beau camion neuf, il se rend à Djorf, sur la côte, où un commerçant djerbien rassemble pour lui la récolte des oliveraies alentour. C'est en ouiba, un seau de 29 kilos, que se mesurent les olives. Et c'est en chantonnant qu'on les compte. En silence, pour éviter de se tromper. Et comme cette année a été mauvaise, une ouiba, c'est de l'or. Chacune donnera 7 à 8 litres d'huile vierge. J'ai encore de la place. Si tu baisses ton prix, je te prends l'autre tas aussi. Mais moins cher. Ah non, au même prix. Hein. Sinon, moi, j'en peux pas. Hein. Je peux pas baisser. Tu vas voir le propriétaire, c'est pas loin. Hein. Vas-y, avec Mohamed, discute ton prix avec lui. Viens, viens. Mais viens d'abord voir l'échantillon. Viens dehors. Cet échantillon, elles sont moins bonnes que celles que j'ai prises. Elles valent moins cher. Non, non, je t'en prie. Elles sont belles aussi. Combien de ouibas tu en aurais comme celle-là? Entre 200 et 280 ouibas. De toute façon, il m'en manque pas beaucoup, mais si on s'arrange, je les prends. Donne 7 dinars et demi. Non, non, pas autant. Alors on va voir Ali, hein, là-bas, dans l'oliveraie, et tu t'arranges avec lui. Je te donne 100 millimes de plus, c'est tout pareil. Oh non, non, il n'y a que l'eau de la mer hein, qui soit toujours la même. Je vais aller chercher l'échelle, ou c'est pas la peine. C'est loin? Non, c'est à côté. Elles sont à vendre ces olives ou pas? Non, non, pas celle-là. Tout le monde le connaît, ton camion. Vos arbres, on dirait que vous les avez pas taillés l'année dernière, tellement ils sont chargés. Vous, le propriétaire des huileries, hein, on peut dire que vous nous volez, nous, les celles-là. Regarde comment ils sont belles. Oui, oui, moyen, moyen. Hein. Il paraît qu'à Dakhla, il y a des olives qui n'ont donné que 3 litres par ouiba. 3 litres? C'est pas possible, non. Si, je te jure.
Elles sont gorgées d'huile comme à Zarzis. Pas vrai qu'elles sont bien pleines? Oui, oui, je dis pas non. Chez Beraja, là-bas, elles me font 10 litres d'huile de rendement. Chez qui? Un jeune qui s'appelle Majid. Je connais pas son père, mais je gagne bien avec lui. Abdelmajid, non, je vois pas. Ils ont un camion OM. Eux, ils achètent les olives sur pied. Sur pied? Ah oui. La négociation suit des détours impénétrables, pour le profane. Mais le marché est conclu. Un bon prix pour Nasser. 7 dinars 300. Et il peut ramener à l'huilerie de quoi presser une bonne partie de la journée. Je marque par un trait tous les 20 wibas pour ne pas me tromper dans les comptes. On ne peut pas les compter tous ensemble. Cette huilerie, c'est le père et les oncles de Nasser qui l'ont construite dès 1962, toujours avec l'argent gagné comme pâtissier à l'étranger. Le père l'a ensuite racheté à ses frères et il n'a cessé de la moderniser depuis. Dans la trajectoire de la famille Abab, cette création marque le décollage de leur réussite. Jusqu'à 17 salariés en pleine saison, la moitié le jour, l'autre moitié la nuit. Nasser, lui, c'est jour et nuit, pendant 3 à 5 mois. Au début, c'était mon père qui s'occupait de l'huilerie. Pendant environ 3 ans. Et puis on a fait des améliorations. On a modernisé le matériel. Et après, quand mon père est décédé, je suis revenu de l'étranger où j'avais un travail. Mes frères et moi, on a hérité. On n'a pas partagé avec mes frères, on met tout en commun. Il y en a deux qui travaillent en France et un autre est ici fonctionnaire. Mais c'est moi qui m'occupe de l'huilerie maintenant parce que j'ai une certaine expérience, j'y ai déjà travaillé. Et puis j'ai mon jeune frère qui s'y met maintenant. À ce prix-là, je lui dis aller à Sfax. Elle faisait 7 dinars et demi aujourd'hui. Tiens, regarde, tu as la liste de tout ce que tu as amené là. Ça fait 65 000. Pour les premiers? Non, non, pour les premiers, j'ai déjà payé 11 000. Et en fait, tu en as 9, oui, ben en tout. Oui, je le sais. Ben alors, c'est bon. Tu en as déjà pris 600 litres. On en met encore un bidon? Oui, oui, il y a encore de la place. Ah bon? Agriculteur, planteur, Nasser est aussi éleveur. Peut-être plus par tradition que par goût. Dans les années 60, son père avait 200 têtes. Faute de main-d'œuvre disponible, de temps, Nasser n'en a plus aujourd'hui qu'une quarantaine. Au printemps, il n'en garde que quelques-unes chez lui, qu'il élève en enclos avec du fourrage et les résidus de l'huilerie. Les autres, il les confie à un berger auquel il rend régulièrement visite, là-bas à Mzar, dans les pâturages Touedzin.
À chaque fois, il lui amène quelques têtes de plus. Il en reprend aussi pour les vendre ou les engraisser à l'orge. Les animaux étaient en bas à la maison. Et en avril, j'en ai amené la moitié ici parce que je n'avais plus assez d'herbe. Et puis parce que maintenant, c'est l'été. C'est la période de la lutte. Comme ça, je ne m'occupe pas d'eux. Il reste 4 ou 5 mois et je les ramène de nouveau au village. Je lui ai amené 5 brebis et 3 chèvres de plus et quelques provisions, du sucre, du thé, du pain. C'est l'habitude quand on vient voir le berger, soit quand on dépose chez lui des animaux, soit quand on en reprend. À cette saison, il nourrit les animaux en utilisant le pâturage uniquement tout seul. Quand ça devient nécessaire de supplémenter les animaux, les propriétaires les récupèrent. C'est trop de travail pour lui. Son berger possède lui-même une centaine de têtes et il en garde une centaine de plus pour le compte d'autres propriétaires comme Nasser. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est la période de la tonte et il aide ses voisins à quelques centaines de mètres de là. C'est mort, hein? Que Dieu nous donne un automne précoce. Espérons-le. J'en ai tendu 3 ou 4 à la maison, et je veux aller en vendre quelques-unes au souk. Il faut que tu diminues ton troupeau. Tu n'as plus personne qui t'aide pour le soigner. Oui, c'est lourd de les nourrir chaque année, ça me coûte cher. Et les chèvres, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu les as vendues? Les chèvres, je veux en reprendre 2 aujourd'hui, et demain, j'irai les vendre à Zarzis. Oui, en fait, tu veux arrêter? Tu veux plus faire le berger? Non, c'est juste pour réduire un peu le nombre, et si l'année doit être bonne, je peux toujours en racheter d'autres au souk. Surtout avec cette sécheresse, on est sans arrêt obligé d'apporter des aliments complémentaires. Heureusement qu'on a mis le remède pour soigner les animaux contre la gale. Ah, vous n'aviez pas de tabac? Qu'est-ce que tu as comme sable, Hajj, dans ta laine? J'en ai pas autant. Écoutez-moi bien, c'est Mokhtar. Moi, j'avais un petit-fils qui est venu nous aider parce que sa grand-mère, ma femme, était malade. Il s'est senti obligé. Il est jeune, je lui ai donné 100 dinars pour m'aider à garder. Un jour, il m'a dit « j'en ai marre de ce travail ». Il est parti. De toute façon, les jeunes sont habitués à la ville maintenant. Avant, il travaillait à Djerba pour 70 dinars. Maintenant, il est retourné en disant que quelqu'un va le payer 100 dinars. Mais il faut qu'il paye un logement, qu'il mange. Qu'est-ce qui reste? Et s'il est 70 dinars, il ne les touchera pas. Les jeunes ne veulent plus garder. Après les vieux, il n'y aura plus de bergers sur la steppe. Il n'y aura que des troupeaux nourris avec des aliments dans des enclos. De toute manière, depuis que les pâturages collectifs ont été partagés, les gens ne s'intéressent plus qu'aux oliviers. Bientôt, il n'y aura plus de pâturage. La vie est difficile. Je veux vous dire, c'est mortel. Ce n'est pas l'argent qui manque maintenant. C'est la force qui manque pour courir derrière les troupeaux. Les vieux bergers regrettent le rétrécissement de leur pâturage de la Djefara. Les nostalgiques des espaces naturels ont peur du désert qui accompagnerait les plantations. Mais dans moins d'une génération, une grande partie de la Djefara aura l'allure des fières plantations de la côte. Les Hababs aussi ont changé. Il y a moins d'une génération, ils étaient simples bergers sur leurs terres collectives et petits agriculteurs dans leurs gessours. Et aujourd'hui, Nasser et ses frères se trouvent à la tête d'un capital confortable et prometteur. Des gessours au village, 500 hectares de terres collectives qui vont être privatisées, et grâce à l'immigration, 150 oliviers sur la terre achetée en 1948, l'huilerie depuis 1962, et bientôt 2000 oliviers de plus dans leur nouvelle plantation. Et puis 3 maisons, un tracteur, une voiture, un camion, bientôt un commerce en ville. Autrefois, les nomades de la plaine, de la hauteur que leur conférait la bosse de leur chameau,
raillaient les sédentaires, les traitant de gratteurs de terre, pire, de planteurs d'oignons, obligés d'aller mendier du travail chez les étrangers. Il se pourrait bien que ces cultivateurs besogneux soient en train de prendre une revanche pacifique, tournant ainsi la page de plus de 1000 ans d'histoire.